On demande de résoudre donc x vectoriel u, x produit vectoriel u est égal à v moins x. On demande de résoudre l'équation vectorielle que voici. On a donc le produit vectoriel qui donne un vecteur et la soustraction de deux vecteurs qui donne un vecteur. Alors le produit vectoriel c'est x fois u. Et la différence vectorielle, c'est v moins x. Vous retrouvez l'inconnu qui est x. Bien sûr, uv étant donné, hein, bon, uv, c'est deux vecteurs quelconques. Uv sont des données. Hein. Uv sont deux vecteurs donnés. Mais le vecteur x est l'inconnu. Un vecteur qui est l'inconnu. Alors, on demande de résoudre cette équation vectorielle pour laquelle x est l'inconnu, qui se retrouve bien sûr dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Alors, pour ça, on va faire une discussion, une petite discussion. On a, si je prends un vecteur x, bon, supposons l'inconnu, on va considérer qu'il est connu. Et le vecteur u. Supposons qu'on eut le vecteur inconnu, que j'appelle x, et le vecteur u. Ensuite, on en fait le produit vectoriel. Le produit vectoriel va donner un vecteur qui est perpendiculaire. En tout cas, on connaît la direction, puisque c'est un vecteur qui va être perpendiculaire au plan formé par les vecteurs x et u. Autant dire que je vais appeler ce plan que voici ce plan-là contenant XU, X, U appartiennent au plan Pi. Et que le vecteur P, bien le vecteur P, appartient à pi. Est perpendiculaire à pi, je m'excuse. Perpendiculaire à pi. Autre constatation. V moins x égale p sont trois vecteurs coplanaires aussi. Donc, ça veut dire que x et u sont coplanaires. Hein. Voilà. Mais, quand vous faites v, c'est égal à P plus X. Donc si je prends le vecteur équipollant à P, je fais X plus P ou P plus X, peu importe, j'ai ce vecteur-là qui est le vecteur V. Donc ça veut dire que dans ce cas-ci, V, P et X appartiennent à un même plan, donc ils sont coplanaires et ils appartiennent au plan bêta. Alors la direction de P, elle est perpendiculaire au plan pi. Et comme P est contenu dans un plan, mais ce même plan que j'appelle bêta est perpendiculaire à pi. Bêta est perpendiculaire à pi. Alors, P, il est perpendiculaire à pi, mais il est perpendiculaire à toute droite contenue dans ce plan. Ça veut dire qu'il est contenu, il est perpendiculaire à toute droite, donc à tout segment et donc à tout vecteur. P est perpendiculaire à U. Et P perpendiculaire à X. Mais que bêta est perpendiculaire à pi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Je peux dire comme le vecteur P perpendiculaire à U, il est perpendiculaire à X. Si je fais le produit scalaire, P fois X ou X fois P, P fois U ou U fois P, mais ça va être égal à 0 parce que le vecteur P perpendiculaire aussi bien à X et à U. Donc si je fais P fois X, ça fait 0 et P fois U, ça fait 0. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est P fois X. Je vais m'intéresser à P fois X. Alors, ce résultat va donner P. Et si je multiplie par X, dans chaque membre, eh bien, ça fera 0. On aura. Là, on a un produit mixte. Hein. Si c'est un produit vectoriel, c'est un vecteur, mais quand vous multipliez par un produit scalaire, de nouveau, on a un scalaire. De nouveau, ici, on a un vecteur. Si vous multipliez par un scalaire, enfin, un produit scalaire par un vecteur, par un vecteur x, ben, si vous multipliez v moins x, qui est un vecteur, multiplié par le vecteur x, vous faites le produit scalaire, vous avez un scalaire. Donc, l'égalité, c'est tout des scalaires. Et on a absolument une condition qui apparaît, qui est l'annulation d'un produit mixte. Pourquoi? Parce que on a des vecteurs perpendiculaires, hein, P perpendiculaire à X, donc c'est normal que le produit scalaire donne 0, et donc fatalement ici, on comprendra que ceci vaudra 0, et que ceci vaudra 0. Alors, on va discuter du produit vectoriel, enfin du produit mixte. Quand est-ce qu'un produit mixte s'annule? Quand est-ce que ça vaut 0? D'autant plus qu'on a x et x ici. Hein. C'est deux vecteurs identiques. Alors, là, on aura l'annulation si, par exemple, x vaut 0. Donc si vous prenez un vecteur OO, c'est le vecteur nul. Je prends un autre vecteur, je sais pas. Je vais mettre deux points. Ouais, j'aurais dû prendre dans l'espace, enfin c'est pas grave. C'est valable dans l'espace ou dans le plan. Ouais, c'est dans l'espace parce que j'ai des produits vectoriels. Donc j'aurais dû prendre dans l'espace graphique 3D. Fermé. Alors, je vais rechercher de nouveau. Je vais placer l'origine. O égale 0,0,0. Un point A. Okay. 3 moins 2, 1. Un point B qui est 2 moins 4, 3. Bon, c'est des points que je peux utiliser par après, donc on verra bien. Alors je vais créer le vecteur nul. Voilà, et le vecteur OA. Alors si je fais le produit vectoriel de U par V,
ça fait 0. C'est normal parce qu'il contient avec donc un produit mixte s'annule. Déjà, c'est un des vecteurs est nul. Mais attention qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on a un deuxième membre. Hein. S'il y a une liaison avec un second membre. Voilà, avec celui-ci. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue ici, aussi ici qu'on a une annulation qui va se produire. Alors, est-ce que x peut être nul? Oui. Mais il y a un problème. Il faut vérifier ceci. Si x est nul, le produit vectoriel ici vaut 0. Mais ce n'est pas dit que ça vaudra 0 ici. Parce que, bon, le x il est nul, ben, v moins quelque chose ne sera pas nul. Pour qu'il soit nul, il faut que v soit égal à 0. Et là, vous avez une solution. Vous avez une solution. Une solution apparaît. Une solution triviale d'ailleurs, hein. C'est une solution triviale. Une des solutions, c'est de se dire que ben, x vaut 0, x égale v égale 0. Et ça, c'est une possibilité. Ça, c'est une possibilité. Vous avez une possibilité ici. Si x égale v égale 0, ben, pourquoi? Parce que 0 fois u, quel que soit u, différent de 0, eh bien, on aura x fois u, ça fera toujours donner 0, et v moins x, comme v vaut 0 et x vaut 0, donc on a beau multiplier par n'importe quel vecteur u, différent de 0, voilà, ça, c'est un cas de figure, c'est une solution. Maintenant, une seconde solution, ben, ce serait de dire qu'on a x égale u égale v égale 0. Ça, c'est une deuxième solution. Tout est nul. Tout est nul. Voilà, tout est nul. Voilà, donc ça, c'est déjà des premières solutions triviales qui apparaissent, hein. C'est celles qu'on n'a pas besoin de réfléchir et qui apparaissent assez aisément. Ça, ce sont les solutions. Une partie, en tout cas, des solutions. C'est une partie. Hein. C'est pas, voilà, on n'a pas encore tout. Alors maintenant, on va analyser membre de gauche, le produit mixte. Je vous dis qu'un produit mixte s'annule quand bon, une valeur est nulle. Par exemple, x ou u. Alors, si u s'annule, de nouveau, si x est différent de 0 et que u s'annule, vous devez avoir un produit qui fasse 0, mais il faut absolument que, pour avoir 0, il faut que v moins x vale 0 et donc que v égale x. Voilà, et v égale x égale u égale 0. Et c'est le deuxième cas de figure là-bas. X égale u égale v égale 0, c'est une deuxième solution. Alors, maintenant, on va regarder notre possibilité de l'annulation du produit mixte. Alors, on a dit l'annulation d'un des vecteurs. Si un des vecteurs s'annule, ben, on aura 0. Mais on peut avoir si x produit vectoriel u vaut 0. Alors ça, il y a un cas de figure que j'ai dit. Bon, si x produit vectoriel u égale 0, si
U égale 0, j'ai déjà traité ça. Point virgule V, X égale 0. Ça a déjà été traité. D'ailleurs, j'ai mis la solution. Une partie de la solution, en tout cas. Et maintenant, je peux avoir X produit vectoriel V égale 0 si, on va dire, X et U sont collinaires. Si X et U sont collinaires, alors je peux écrire que X égale K fois U. X égale K fois U. Et à ce moment-là, on a une annulation. On a une annulation. K fois U. Donc si on a... Pourquoi? Parce qu'on aura x, la norme de x, fois la norme de u, fois l'angle. Quel sinus? Bon, ils sont parallèles, donc c'est sinus de 0. Or, sinus 0, ça fait 0. Donc si x et u sont collinéaires, l'équation ici va s'écrire avec, bien sûr, x égale k fois u. Alors, k fois u, ce qui fait k, u fois u. Et u fois u, ça fait 0. Par contre, le v moins x, on aura v moins k fois u. Alors, V moins K fois U, X fois K fois U, ça fera 0, hein, puisqu'ils seront collinaires. Donc, comme X vaut K fois U, on devra avoir V moins KU, V moins KU égale 0, ça veut dire que V égale KU. V doit valoir k fois u. Alors je pourrais dessiner ce cas de figure-là. X égale k fois u. Alors je vais mettre k égale 3. Alors le u c'est... Je prends le vecteur u. C'est OA. Alors si je fais 3 fois u... Voilà. Ça c'est 3 fois u. Donc j'ai pris x égale k fois u. J'ai pris k égale 3. Donc ça c'est mon x. Je vais faire fois produit vectoriel u. V fois u. Là ça donne bien 0. Mais il faut que mon V, pour avoir valeur 0, il faut que mon V fasse K fois U. Donc en d'autres termes,
v moins x. Donc ça fera k fois v vaut k fois u. Donc v égale x, si vous voulez. Ici, ça, ça. On va dire que v vaudra u égale v égale x. On n'a qu'un seul vecteur. Non, je m'excuse. On a x qui vaut... On aura u. 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 K fois u qui est x. Ça, c'est x. Élevé doit être égal à x, c'est-à-dire k fois u. Et ça, c'est une autre solution, c'est une troisième solution. Alors le v, il vaut x, x vaut k fois u. Donc, le V. Donc, ça, c'est mon vecteur. K fois U, c'est X. Donc, si je fais un vecteur qui fait 3U, qui est V, moins mon fameux X qui est ici V, hein, voilà. Je fais moins V, voilà. Ça fait bien 0. On a bien l'égalité. Donc ça, c'est bien une deuxième solution. Une troisième. Une troisième solution. Donc à ça, je vais rajouter une troisième solution. La voici. Remarquez que le cas... Oui, donc ce cas-là est un cas particulier. Hein. Ce cas-là est un cas particulier de ceci. Là, il suffit de prendre u différent de 0. Je vais prendre k égale 0. À ce moment-là, on aura x, k vaut 0, k fois u, u différent de 0, ça fait x égale 0. Voilà, on aura x égale 0. Et comme x égale 0, on a égale v, ben on a v égale 0. Voilà, donc c'est un cas particulier. Maintenant, pour avoir le cas numéro 2 ici, c'est toujours avec celui-ci. Cette fois-ci, je prends u égale 0 et k égale 0. À ce moment-là, j'ai ce cas-là. J'aurai u égale 0, v égale 0, x égale 0. Donc, ça tient la route. Ça tient la route. Alors maintenant, on peut voir entrevoir aussi des perpendicularités. Hein. Il n'y a pas que des proportionnalités, on peut entrevoir des perpendicularités. On aura, si je regarde le point de départ, j'avais parlé des plans.
Donc on a on peut avoir 0 si x et u sont perpendiculaires. Voilà, ici. Si x et u sont perpendiculaires, produit mixte, on aura l'égalité avec 0. Là, si on a dans le plan pi x perpendiculaire à u, ça fera 0. Si x perpendiculaire à u, donc il faudra trouver donc on aura x est perpendiculaire à u. Ça fera 0, mais ça veut dire que v moins x doit valoir 0 aussi. Et ça veut dire que v égale x. V égale x. Bon, ça, je peux essayer ce cas de figure. Alors, je prends le vecteur je vais l'appeler x celui-ci au A et au B je vais l'appeler oui, de l'appeler u mais j'aurais bien l'appeler enfin c'est pas grave je vais faire x ça va être le vecteur au B. Bon, il veut pas il l'a appelé uv enfin bref. Ici, il l'a pas, il veut pas qu'il s'appelle x et y parce que ce sont des noms de variables. Il l'a appelé uv. Donc, si je considère que u c'est x, voilà, mais il faudrait que je mette à 90 degrés, hein, parce que bon, sinon ça ne marche pas. Bon, je vais tracer la droite. Bon, il faut que je recommence ça. Droite au virgule A. J'ai dessiné une droite. Orthogonale. Je crée une droite perpendiculaire à cette droite. Bon, vous avez compris que si je fais le vecteur le vecteur CB fois le vecteur OA ouais, vecteur OA vecteur OA c'est je sais plus comment il s'appelle F non ça c'est la droite. C'est U que je considérais, c'est X. Voilà, c'est mon X. X fois le vecteur V. C'est pas.
petit problème. Il y a 90 degrés. Ouais, donc l'orthogonalité. Doit se faire entre. Ici, je me suis trompé. Ouais, c'est le produit scalaire qui doit valoir 0. Je me suis trompé ici. Alors, x fois u égale v moins x égale p. Alors, si je fais p fois x, ça fait 0. Je vous ai expliqué pourquoi. P, c'est le produit vectoriel, donc d'office. P fois x ou x fois p, hein, c'est le même. Hein. Que je mette à droite ou à gauche, on s'en fout. Mais supposons que je le mette ici, c'est pas un problème, ça change rien. Voilà, égale 0, c'est pas un vecteur, hein. Je peux pas mettre ça, hein. Je me suis trompé tout à l'heure, voilà. Voilà, c'est un zéro scalaire, c'est un scalaire. Alors, justement, ça va être nul si x est perpendiculaire au plan xu. Enfin, au plan x est perpendiculaire au plan x produit vectoriel u, c'est ça que je veux dire. Alors quand est-ce que x est perpendiculaire au plan formé par... Alors xu, on a x, vecteur u. Le vecteur P. Donc là, il faut que je multiplie par x. Alors le x, c'était... Donc je fais le produit scalaire U fois W. Voilà, ça fait 0. C'est juste. C'est juste. Ça veut dire que bon, il suffit d'avoir la condition x perpendiculaire à U, on aura 0. Si x est perpendiculaire à U, on aura 0. Pourquoi? Non pas dans le produit vectoriel, parce que vous avez bien vu que dans le produit vectoriel, ça donnera un vecteur qui est non nul, c'est W. Par contre, si vous faites encore x, qui est ici u, fois le produit vectoriel de u par v, enfin, c'est-à-dire x par u ici, x par u, x par u, si vous faites le produit vectoriel x par u, voilà, ça c'est différent de 0, c'est ça que je veux dire. C'est différent du vecteur nul. Par contre, celui-là, comme il est... perpendiculaire au plan formé par x et u, mais comme il contient le même vecteur, c'est juste que x est perpendiculaire à u. Hein. C'est juste une perpendicularité comme ceci. Hein. Ça, c'est décrire qu'on a. En fait, on entrevoit trois vecteurs, mais en fait, il n'y en a que deux. Une, produit scalaire avec un produit vectoriel ici, sachant que x vaut x. Donc, on a la condition d'avoir x
perpendiculaire à U, ben, si vous en faites le produit vectoriel suivi du produit mixte, enfin du produit scalaire, c'est-à-dire si vous en faites le produit mixte de ceci, ben, vous allez avoir 0, x perpendiculaire à U. Bon, maintenant, le tout, c'est de voir de l'autre côté. Comment avoir 0? Eh bien, pour avoir 0, il faut que V égale x. Non, je m'excuse. Il faut que V moins x fois x fasse 0. Il faut que V moins x fois x fasse 0. V moins x fois x fois 0. Alors, pour qu'il soit nul, il faut que un produit scalaire est nul si on a une perpendicularité ici. Bien sûr, x étant différent de 0, et v moins x différent de 0. On n'a pas v égale x. Pour avoir un cas de figure où v égale x, c'est un cas de figure, ça. Bon, voilà. Mais si, voilà, si x vaut 0... On va retrouver V égale X égale 0. Hein. On va retrouver une solution tout à l'heure. Donc, voilà, je mets X différent de 0. Enfin, je mets X égale 0. Je prends X différent de 0. Alors, à ce moment-là, il faudrait dire que V moins X est perpendiculaire à X. Donc, il faudrait que j'aille chercher un vecteur comme ceci. V. Donc, V serait collinaire à P. V serait collinaire à P. V serait collinaire à P. Alors si je fais V moins X, V moins X doit être perpendiculaire à X. Quand est-ce qu'on a ça? Donc, un autre cas de figure, c'est X perpendiculaire à U. Voilà. X perpendiculaire à U. Là, à ce moment-là, on aura 0 d'un côté, mais il faut que x produit scalaire v moins x en produit scalaire pour qu'il soit nul, bien sûr, avec x différent de 0, il faut que x soit perpendiculaire au plan formé par v moins x. Donc on a x. Alors supposons qu'on a v comme ceci. Supposons qu'on ait V comme ceci et X comme cela. Moins X, il est là. V
v moins x est là-bas. C'est le vecteur là. Donc x devrait être perpendiculaire à v moins x. X doit être perpendiculaire à v moins x. Et ça n'aura jamais lieu apparemment, hein, parce que bon, ça aura lieu que si v égale 0. Si v... v égale 0, 0 moins x, on aura x fois moins x. Là, non, on n'aura pas de perpendicularité. Ils seront à 180 degrés. On ne saura jamais avoir de perpendicularité là, entre x et v moins x. Hein. Parce que v moins x, c'est l'opposé. Dès le moment où vous mettez l'opposé, vous avez un angle. Il y aura un angle. Je vais mettre le vecteur V. Le vecteur V qui va être de composante 0, 2, 0. Enfin, 2, 0. Ou plutôt O, 2, 0. Voilà. Vous avez ce vecteur-là. Ça, c'est le vecteur V. Maintenant, je vais mettre le vecteur X, que je vais appeler V ici. X, c'est O, virgule, par exemple, 1,01. Si je fais la somme du vecteur U avec V, vous avez ceci, vous avez toujours un angle. Alors pour
avoir l'angle qui vaut 0, la perpendiculaire était, on ne saura jamais avoir. Jamais avoir. Sachant que AB, le vecteur BA, c'est le vecteur X. Alors avoir le vecteur X perpendiculaire à W, c'est pas possible. C'est pas possible. X est perpendiculaire à W. Enfin, du moins, il faudrait pour ça que X fasse 0. Mais si X vaut 0, on a un point, on n'a plus de vecteur. On aurait X égale 0. Donc on ne saura pas avoir de perpendicularité ici entre x et la différence v moins x. Donc le seul cas d'annulation, c'est x vaut 0. Si x vaut 0, bah, alors à ce moment-là, si x vaut 0, x, on ne parlera pas de perpendicularité entre 0, 0 et u. Donc voilà, donc c'est. Donc au niveau des perpendicularités, on ne peut pas voir ça comme. Des perpendicularités parce que ça marche pour l'un mais ça marche pas pour l'autre. Ça va marcher ici, on aura une annulation là, mais l'annulation là on ne l'aura jamais. X fois v moins x, on n'aura jamais ça. En d'autres termes, c'est tout à fait normal parce que je peux vous le montrer, hein. Regardez bien. Je vais vous montrer que ce ne sera pas possible d'avoir 0. X en dehors de x égale 0. On a x v moins x. Si je distribue, on a x v moins x fois x. Alors x fois x, c'est x carré. Et là, c'est x, le module de x fois le module de v, fois le cosinus entre x et v. Alors si le cosinus entre x et v vaut 90, là, on aura 0 moins x carré. Quand est-ce qu'on aura 0? Jamais. Parce que le module, si, on aura quand x vaudra 0. C'est juste pour ça. On n'aura jamais. Voilà. On n'aura jamais. La perpendicularité entre x et v moins x. Donc, je n'aurai pas ce cas-là. Ce cas-là, on n'aura pas. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir comme autre cas? Bon, je vais aller chercher le produit vectoriel. Enfin, le produit mixte, je m'excuse. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a. On n'a que ça. On n'a pas d'autres cas de figure. Hein. Bon, il y a un dernier cas de figure que je pourrais traiter malgré tout. Et je vais regarder. Où est ce produit mixte? C'est pas ça. Il est là. Alors, une autre, on pourrait dire aussi, je crois qu'il n'y en a plus, hein, j'ai tout dit.
crois que j'ai tout dit. Autre chose, pour dire que toujours pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, x produit scalaire x fois u, bon, on pourrait dire que x est perpendiculaire. On pourrait écrire x égale k1 x plus k2 u. X perpendiculaire à x produit vectoriel u. Ça veut dire que x appartient au plan. À une direction du plan définie par x et u. Par x et u. Voilà. Alors, il pourra appartenir x peut-être proportionnel à x et u, oui, ça c'est possible, hein. Et ça, je l'ai dit quand est-ce que x appartient à la direction de x et de u. Mais c'est dans le cas particulier où x est perpendiculaire à u. Mais ça, je peux l'écrire autrement. Je peux l'écrire autrement. X moins K1 X égale K2 U. Donc, 1 moins K1 x égale K2 U, x égale K2 sur 1 moins K1 U. En d'autres termes, on a gamma U. Ça, c'est une constante, hein, gamma appartenant à R. Donc, et là, ça a été vu tout à l'heure, c'est quand ils sont U et X sont proportionnels. Et c'est une des solutions qui était préconisée. Voilà, X et U sont proportionnels. On en revient à ceci. Mais bien sûr, à côté de ça, vous devez avoir V égale X, hein. Ça ne suffit pas parce que s'ils sont proportionnels, effectivement, on aura 0, 0, et là, on aura V égale X. Donc les solutions, c'est ceci. Ces solutions sont là. Et en vérité, les solutions sont, je dirais, elles sont plutôt ici, et que ceux-ci sont des cas particuliers. De ceci.
Donc en vérité, c'est x, u, on a u, x égale ku et v égale x. Donc x égale ku, c'est que x est collinéaire à u, hein. C'est ce que ça veut dire, hein. Alors, il faut que x soit collinéaire à u, on ait un vecteur u, que x soit collinéaire à u, et que v fasse x, à ce moment on aura l'équation qui est vérifiée. Donc si je prends x, x vaut k fois u. Voilà, le u étant donné, voilà, et que je prenne v égale x. Voilà, le v égale x, mais le x, il vaut k fois u. Donc si x égale v, ben, c'est que le v vaut aussi k fois u. Donc en fait, on a tout sur une ligne, tout est collinéaire. On aura x, u et v sont collinéaires. X, u, v sont collinéaires. Parce que x vaut v, hein, et comme x vaut k fois u, alors, comme x vaut k fois u, et que v égale x, ben, ça veut dire que ayant x, ayant u, comme x vaut k fois u, ben, x vaut k fois u, et comme v égale x, ben, x il vaut k fois u, donc v égale k fois u. Donc le U, il est quelconque. Et maintenant, on peut avoir des cas particuliers, hein, suivant K. Suivant K, on a des cas particuliers. Alors, si vous voyez qu'ici, si K vaut 0, on a x égale 0, v égale 0. Maintenant, si je prends k différent de 0, mais u égale 0, x égale v égale u égale 0. Donc on a les deux cas. Et dans tous les autres cas, x vaut v, x vaut v, et vaut k fois u. Donc, là on aura k fois u, ben, ça fait 0. C'est égal à v, c'est k fois u, et x vaut k fois u. K fois u moins k fois u, ça fera 0. Donc la solution, c'est ceci, hein. U est égal à u, x égale k fois u, et v est égal à x. Hein. Je vous remercie.